Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau concept et pour ce premier épisode, j'ai choisi un invité de marque. Je vais l'inviter tout de suite, Zedfar, invité dans le groupe. Yo! Comment ça va, Zedfar? Bah, ça va, je vois que tu viens de m'inviter, c'est pourquoi là? Ah, mais arrête, fais pas l'acteur. Est-ce que t'es chaud pour la vidéo? Ouais, je suis très chaud, franchement, je pense que je vais gagner, Waz. Alors là, impossible. Le concept est super simple. On va être questionné sur plein de thèmes concernant les skins. Il y aura par exemple des questions où on verra un skin et on devra deviner quand est-ce qu'il est sorti entre 4 propositions. On aura d'autres questions où, par exemple, on devra deviner si le skin existe ou non, est-ce qu'il a été modifié ou non par un graphiste. Un autre type de dilemme, c'est par exemple où on devra deviner le prix du skin entre 800, 1200, 1500 ou 2000 V-Bucks. Et le dernier dilemme, le principal de la vidéo, on va devoir deviner quel skin existe vraiment. Qu'on aura deux propositions, un vrai, un faux. À nous de faire le bon choix. Tiens, merci YoYo qui a modifié tous les skins. Il a passé un temps monstre là-dessus. Gros big up à lui. Le boss. Vous de votre côté, si jamais le concept vous plaît, pensez au petit pouce bleu pour voir si vous voulez d'autres épisodes. N'hésitez pas à me proposer d'autres invités également en commentaire. Abonnez-vous et puis let's go. Ok, let's go, ça commence dans quelques secondes. Allez, let's go. Quel skin est le vrai entre les deux? Ok, bah c'est bon, j'ai la réponse. Voilà. Alors là, celui-là, trop facile, vraiment. Je sais, ouais, je sais, moi aussi. Ça commence chill. Normalement, ça va monter crescendo et après, ça va être des skins super compliqués, des tout petits détails. Là, je suis assez confiant, je sais pas toi. Je suis très confiant et je sais aussi c'est quel skin. Enfin, après, attends, je peux me tromper, j'ai un doute maintenant. Non, c'est bon. 3, 2, 1. Côté droit. La réponse était du coup 3, 2, 1, droite, ok. Droite, voilà, parfait. Ça commence bien. 1-1. Alors là, on doit deviner la date de sortie du skin. Oh, j'ai aucune idée. Ce skin, je le connais, je l'ai déjà vu. Mais quand est-ce qu'il est arrivé? Je sais vraiment pas. Alors là, mon gars. Je vais faire au feeling. Je pense que j'ai une petite idée, mais c'est vraiment très léger. Je suis sûr de rien. Ah, j'en ai aucune idée, moi. 3, 2, 1, c'est D. Oh, on n'a pas dit la même chose. Non, je crois que je me suis trompé. C'était en réalité 3, 2, 1. La réponse B. Oh. Oh, ok, bon bah. Mais on a eu tous les deux faux. Oh là là, on est trop nuls. Bref, skin suivant. Est-ce que le skin a été modifié, oui ou non? Oh. Alors, j'ai un désavantage là-dessus, c'est de la triche, je suis daltonien, moi je sais pas s'il y a une différence de couleur. Bah, moi j'essaie de regarder au niveau des détails. Ce skin, malheureusement, je le connais pas très bien. Oh non, c'est bientôt fini. Moi je le connais, je crois. Je suis au pif. 3, 2, 1. Non, oui. Oh non, j'espère que je me suis pas trompé. J'ai vraiment dit au hasard là. Je peux me tromper, mais si c'est sur les couleurs, je suis mort. En réalité, la réponse était... oui. Let's go. En fait, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je pense qu'il y a juste au niveau des couleurs, parce que ça me paraît bizarre, c'est trop jaune alors que c'est peut-être un genre roux. Et par contre, je crois qu'il y a peut-être des détails sur le skin qui ont changé ou qui étaient retirés. Je sais pas, bref, 2-1 pour toi. J'ai pas dit mon dernier mot. On va voir. Cette fois-ci, on doit deviner le prix du skin. Ok, celui-là, je l'ai dans mon casier, je crois. Je crois que je l'ai, donc je pense qu'attends, faut que je réfléchisse à quelle couleur il est. Moi, je crois savoir, mais je l'ai pas, mais en fait, je l'ai déjà vu dans la boutique plein de fois. Ah ouais, mais toi, tu regardes la boutique, moi, je regarde jamais. En vrai, c'est assez chaud, par contre, le skin, il est vraiment pas beau. J'aime pas le truc sur son t-shirt. Mais on dirait le signe d'Oméga. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ok, c'est bon, j'ai ma réponse. 3, 2, 1. Ah, oh. Parfait. Déjà, tu sais que quand tu dis pareil, certes, d'un côté, je me dis, bah, je peux pas prendre de l'avance, mais en même temps, ça me rassure. Bah ouais, parce que je peux pas te rattraper. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'était la réponse 1. Parfait. On est à 3-2. Let's go. Attends, mais t'es trop fort, wesh. Ouais, t'as vu ça? Cette fois-ci, on doit deviner le vrai skin entre les deux. Alors, elle est où la différence déjà là? Ah, regarde les traits sur son visage. Ah oui, oh là là, oh c'est trop bien fait. C'est lequel le vrai? Est-ce que c'est horizontal ou vertical, genre? Y a que ça qui change parce qu'à tout moment, il y a un autre détail qu'on n'a pas vu. Hein. Non, le couteau il est au même endroit. La tête de mort, ça change pas. La petite étoile sur le bonnet non plus. Ouais, non. Ok, donc c'est vraiment à ce niveau-là. C'est bon, je pense que j'ai ma petite idée sur le vrai. Moi aussi. 3, 2, 2. 1, gauche. Gauche. Oh là là, encore, arrête de me copier. Non, je te copie pas, on le dit en même temps, c'est toi qui copie. Hey. Bon, j'espère quand même qu'on a raison tous les deux. T'imagines? C'était du coup le gauche. Ok, bien joué. Let's go, ça fait plaisir. Pour l'instant, c'est assez serré, mais vas-y, t'es quand même au-dessus. Eh oui. Est-ce que ce skin a été modifié? Oh là là. Je s'appelle comment celui-là? C'est quoi comme skin? Je l'ai déjà vu, mais je l'ai jamais acheté. Pourtant, en vrai de vrai, là, comme ça, il est plutôt mignon, hein. Bah, ouais, mais bon, bof, quoi. Est-ce qu'il a été modif? En fait, il est tellement bien fait. YoYo, si tu l'as modif, t'es un génie. C'est bon, j'ai ma réponse. 3, 2, 1, je pense que oui. Non. Oh, mais tu sais que comme ce skin, je le connais pas, à tous les moments, il y a genre un tout petit truc, genre une petite feuille qui est déplacée, ou un truc dans la poche en plus, ou je sais pas, mais. Eh, je te dis, j'ai dit au hasard, c'est bon, j'avoue. Ok, mais si jamais t'as bon sur un coup de chance, franchement. On va savoir du coup qui avait raison et c'était du coup oui. Let's go. Mais tu vois, c'est ça le problème, c'est que même en ayant de la chance, et bah t'es gagnant, c'est ça le truc. Petit zoom maintenant sur la modification. La date de sortie de ce skin, je le connais. On a le choix entre du coup chapitre 1 saison 10, chapitre 2 saison 2, chapitre 2 saison 5 ou chapitre 3 saison 1. Alors honnêtement, cette phare, je sais pas toi, mais je pense pas que ce soit le D déjà. Je sais c'est lequel. Non. Si, je sais c'est lequel et c'est hyper logique. Ouais, mais moi j'en sais rien. Fais marcher ton cerveau, le petit cerveau doit se... liaison nerveuse. Je sais pas, j'ai au pif, c'est bon. Allez, 3, 2, 1.
B. C. Non. Tu veux que je te dise pourquoi je pense que c'est C? Parce que je crois que le bonhomme il ressemble un peu à, tu sais, les trucs des dinosaures là. C'était la saison 2 du chapitre. Saison 5 du chapitre 2. Il me semble, hein, je peux me tromper, mais. Honnêtement, moi, j'ai une très mauvaise mémoire pour les saisons. Genre, je pourrais pas dire quelle saison c'était Stark, quelle saison c'était Tilted et tout. Genre, j'ai aucune idée de tout ça. Ouais, mais tu sais à peu près, genre, tu sais le situer quand même. Bah, pas trop. Ouais. Bref, la réponse était du coup la C. Aïe, aïe, aïe. Let's go. Commence pas à célébrer, arrête, calme-toi, tu m'énerves. arrête. Je vais remonter. Vas-y. Quel skin est le vrai? Ah, c'est au niveau de la couleur. Mais je vois pas la différence. Enfin, si, à peine, mais je saurais pas te dire. Bah, honnêtement, ce skin, je l'ai jamais vu de ma vie. Donc là, le problème d'un changement de couleur, c'est que tu dois avoir vu l'original pour t'en rendre compte, tu vois. Et du coup, à gauche, il est tout rose. À droite, il est habillé en bleu. On donne le vrai? Ouais, moi, je dirais. Ok, c'est bon, j'ai ma réponse. Petite pause, juste pour te rappeler de t'abonner si jamais t'es en train d'apprécier la vidéo. C'est le meilleur moyen pour soutenir mon travail. Et c'est gratuit pour toi, donc c'est parfait. Merci. 3, 2, 1. Droite. Oh, on a disparu. Okay. Mais moi je pense que c'est droite parce que vraiment un rose pétant comme ça, je n'ai jamais vu, je crois, sur Fortnite. Est-ce qu'on a raison ou est-ce qu'on a tort? La réponse maintenant, c'était droite. Bien joué encore une fois. Voilà, tu vois, c'est un travail d'équipe. Arrête d'avoir bon, j'arriverai pas à t'en monter si tu continues comme ça. Arrête! Tu vas voir, au pire, je te propose un truc. C'est que on gagne ensemble. Tu vois, comme ça, au moins, c'est fair play. Les abonnés seront tous les deux contents. Non, moi je veux t'humilier, c'est bon là. Ah ouais? Ok, bah on va continuer l'humiliation de mon côté. Est-ce qu'il coûte 800 V-Bucks, 1200, 1500 ou 2000? Ce skin, attends, mais il existe vraiment ça? Ouais, ouais, je le connais, mais je sais pas comment il s'appelle. En vrai, je trouve qu'il a un flow, il est stylé, mais je le mettrai jamais. À mon avis, c'est le genre de skin qui est immense à porter. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, en vrai, de vrai, souvent, moi, j'ai tendance à me dire que moins il y a de détails, moins il est cher. Et là, du coup, vu qu'il a quand même pas mal d'infos, j'ai une petite idée du prix, mais j'espère ne pas me tromper. Si ma théorie est mauvaise, tout est mauvais. Zephar, ta réponse dans 3, 2, 1. Moi, perso, je dirais D. Oh! Enfin, moi 1500 V-Bucks, c'est là, c'est je crois. Ouais, moi du coup je dirais 2000. Dis-moi que j'ai raison. Ça veut dire un skin légendaire quand même, hein. Tu sais que les skins légendaires, il y en a pas énormément. Ah ouais? Bah ouais, il me semble. 3, 2, 1. 1. C'est. Let's go! Je suis trop fort à ce jeu, je suis trop fort. Tu vois, tu voulais m'humilier. Arrête, bah, voilà, arrête. Je suis en dépression, arrête. C'est le retour du boomerang. Non, mais en fait, à chaque fois que je t'invite pour un concept, je perds. J'en peux plus de perdre. Il faut que je me concentre, c'est pas fini. Il reste encore plein de questions. Allez. Ouais, est-ce qu'on pourrait faire un petit détail de ce que t'as gagné jusqu'à maintenant? Est-ce que ce skin a été modifié, oui ou non? Alors, honnêtement, y a rien qui me saute aux yeux. Genre, rien n'est choquant en mode, waouh, c'est sûr, c'est modifié. J'ai pas vraiment d'idée. Ok. Je sais ce que je vais dire. Je pense que je l'ai dans mon casier. 3, 2, 1. Oui. Non. Oh, ah, tu penses qu'il était modifié? Je pense, ouais. Mais moi, j'en sais rien, mais je pense pas. En fait, y a rien qui me sautait aux yeux. Moi, c'était le bonhomme qui était dans la petite maison dans le désert. Je sais pas si tu te souviens quand il y avait le grand désert sur la map. Non, ça me dit rien. Et du coup, c'était mon ref et je le voyais tous les jours, tu vois. Et je crois qu'il y a rien qui change. Qui a donné la bonne réponse entre toi et moi? La réponse était non. Oh. Let's go. Yo, t'es viré, c'est mort. En plus, tu sais, c'est le genre de truc. On peut même pas, si on le voulait, on peut même pas tricher ou avoir de l'avance ou le préparer à l'avance ou quoi, parce que on connaît pas les skins qu'il va y avoir. Bah oui, c'est ça. C'est lui qui a tout fait de A à Z. Bon. Allez, je me ressaisis. Là, il faut deviner quel skin est le vrai entre les deux. La modification. Oula. Oh, regarde, c'est au niveau de la clochette, de la ceinture ou alors du collier. Oh, c'est trop bien fait. Oh non. Attends, mais c'est où? Est-ce qu'elle était plutôt en bas ou en haut? Waouh. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas, Waz. En fait, mais si tu regardes bien, c'est tellement bien fait que c'est dur de savoir. Donc, attends de donner le vrai. Ouais, ouais. Ok. 3, 2, 1. Gauche. Ah, encore ensemble. T'expliques pourquoi? Ça me paraît bizarre parce que tu sais, il y a l'anneau pour tenir la cloche, mais qu'il n'y ait pas de cloche. Ouais, c'est ça. 3, 2, 1. Droite, quoi? Oh! Oh, on s'est fait avoir tous les deux! Bien joué, Yo-Yo! Franchement, c'était bien calé celui-là. En plus, se dire que la cloche, tu vas la mettre sur le petit anneau, ça a apporté tellement à confusion. En vrai, je trouve limite la version de Yo-Yo mieux. Ouais, de fou. Par contre, faut juste qu'on acclame Yo-Yo, hein. Il est trop fort. Ouais, clairement. Bref, on continue. À quelle date est sorti ce skin? Chapitre 2, saison 4, chapitre 1, saison 9, chapitre 2, saison 2 ou chapitre 1, saison 6? Ce skin, il est vraiment sorti? Il me dit rien encore une fois. Il me dit rien non plus. Non mais en fait, des fois j'ai l'impression de pas jouer à Fortnite, genre je suis déconnecté de la réalité. Après c'est normal, moi j'achète jamais de skin, du moins plus depuis longtemps. Donc je regarde pas la boutique. Mais là je vais faire au feeling. Ça m'étonnerait chapitre 1 parce que je tryhardais le jeu et il était pas sorti. Donc moi je pense que ça se joue plus entre A et C, je sais pas toi. Je dirais quand même la réponse A. Ah ouais, ça me paraît logique aussi. Quoi que tu sais, il y a un monde où il est sorti fin du chapitre 1 et qu'on le sache pas, hein. Ouais, c'est vrai, il y a tellement de skins aussi sur Fortnite. Je crois qu'il y en a combien au total, peut-être 600, 700. Je sais pas, la réponse maintenant, mais honnêtement aucune idée. Qu'est-ce que j'en sais moi? 2, 1. Eh bien, on s'est fait avoir tous les deux. Tu vois, chapitre 1, saison 9, mais j'en avais aucune idée par contre là. Non mais encore une fois, ça prouve que ma théorie à chaque fois elle est mauvaise. J'ai dit c'est sûr c'est pas le chapitre 1, c'est quoi ce chapitre 1? On va toujours à l'encontre de ce que tu dis, ouais, à partir maintenant, c'est d'accord? Ok. Attends, comment ça? Hein? Non, rien, t'inquiète. Quel skin est le vrai entre les deux? Alors là, c'est au niveau de l'icône sur la casquette. Il y a un petit burger qui a été ajouté.
Oula. Et très honnêtement, ça m'étonnerait pas que YoYo l'ait créé de A à Z, parce qu'il m'a dit qu'il avait passé des heures et des heures sur les skins. Sinon, bah à part ça, il n'y a pas d'autres changements. En tout cas, il est bien fait. Mais c'est bon, j'ai ma petite idée. Moi aussi. 3, 2, 1. Côté droit. Oh, et là honnêtement je t'ai dit ma théorie. Je pensais aussi que c'était la gauche, mais je me suis dit Zephar va dire gauche, donc on sait jamais. Dans tous les cas, vu que j'ai du retard, genre rattrapé, je vais dire côté droit. On sait jamais. Et bah moi je suis la théorie qu'on a dit juste avant, c'est à dire d'aller à ton avis, donc j'ai dit gauche. L'enflure. Réponse maintenant, 3, 2, 1. Gauche. Oh. Let's go. Ouais, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit on va toujours à l'encontre de ce que tu penses. Et ça arrête marche, de parler. Arrête de parler. Arrête de parler. Je vais te mute. Arrête de parler. Je vais te mute. Ça marche. Ça marche. Je veux ça plus marche. T'entendre. Zephar, c'est bon. Tu m'humilises. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a pas besoin d'en rajouter. Oui, bah écoute, c'est comme ça hein, dans la vie. Voilà, il faut gagner et perdre. Hein, c'est. Combien de V-Bucks faut-il pour acheter ce skin? 800 000, 200 000, 502 000. Alors là. Eh, écoutez-moi bien. Je pense savoir. Je pense que je l'ai dans mon casier celui-là. Ah ouais? Ouais. Il te reste 14 secondes cette phare. Moi perso j'ai ma petite idée, je sais pas toi. Bah j'hésite entre deux. Mais je. Entre quoi t'hésites? Entre C et D honnêtement. Ok. Allez, je vais partir sur mon idée de base. 3, 2, 1. B. C. Oh B, 1200 toi. Après ceci dit, entre 1200 et 1500, y'a pas grande différence. C'est ça. Je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai l'impression qu'il est bleu en fait. Non, moi franchement je le vois pas bleu. Pour moi je me dis les skins rares, ils peuvent pas être aussi. Celui-là tu vois c'est le skin motard mais en trèfle. Pour moi il est trop rare même dans l'idée pour être en seulement rare. Ah, bref, t'as capté l'idée mais. La 3, réponse 2, était du 1. Coup 1500. Let's go. Je t'ai dit quoi? Ouais, même à domicile tu perds. Mais à domicile ou à l'extérieur je perds tout le temps. Eh, écoutez-moi bien, tous les prochains concepts je les gagne, c'est bon. Tous sans exception, je vais m'entraîner tout le temps à chaque fois. Vas-y, d'accord, on parle là-dessus. On est reparti sur un dilemme entre deux skins, on doit deviner lequel est le vrai. La modification. Oh, c'est au niveau de la jambe, regarde. Ah ouais. Ah. Oh mais attends, mais c'est trop bien fait. C'est quoi, c'est un pistolet qui a été ajouté avec une petite ceinture. Ok, c'est bon. Moi je pense savoir, encore une fois sans certitude, mais je sais ce que je veux dire. Moi aussi. 3, 2, 1. Droite. Gauche. J'espère, j'ai bon. Est-ce que je peux te dire pourquoi? Vas-y, dis-moi pourquoi. Mais si YoYo a des grands talents d'artiste, il me semble que c'était du dessin, ce qui était à droite, au niveau de la texture en fait. Mais peut-être que je raconte n'importe quoi avec cette droite, hein, mais on verra bien de toute façon. Donc toi tu penses que c'est plus facile de retirer que d'ajouter? Moi au contraire, justement, c'est aussi sur cette théorie, mais à l'inverse, je fais confiance à YoYo et je me dis qu'il est capable en fait, tu sais, pour nos brains, d'ajouter un truc comme ça, genre. 3, 2, 1. C'était gauche. Let's go. Ça fait 6-0 d'affilée. Ta. Eh bien, c'est terminé, Zephar. Félicitations. Merci de l'invite. En tout cas, c'était cool. Honnêtement, je sais pas quoi dire à part. Bah, je me suis fait encore une fois humilier. Après, j'ai pris l'habitude. Maintenant, c'est bon. Là, je suis plus dégoûté ou quoi. Je suis juste concentré pour le prochain. Vas-y, bah écoute, je sais pas, tu seras contre qui, mais en tout cas, je te souhaite de gagner. Ouais. Et si t'as besoin d'aide, tu peux faire appel à un ami. Et pendant ta vidéo, tu m'appelles et je te donne mon conseil. Ok, on trichera pas mal. Qu'est-ce que t'en as pensé du concept? Est-ce que c'était bien ou pas? Franchement, c'est une super idée. Moi, ce que je kiffe le plus, c'est de remarquer les différences entre les skins. C'est vrai. N'hésitez pas, vous, à me faire votre en commentaire. Quel exercice vous préférez? Peut-être que, je sais pas, vous aimez pas quand on doit deviner le prix, donc on peut le retirer et ajouter plus de skins modifiés par exemple. Le concept est à vous, vous me dites tout ça en commentaire. Pensez également à vous abonner. Sur ce, je vous fais des bisous, ciao.